Salut les gars, ici Étienne de musculation prisemasse.com et puis aujourd'hui, on va faire un petit peu différent de d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous montrer un extrait d'une compétition de powerlifting qui a eu lieu en fin de semaine passée à Sainte-Marie en Beauce, où je suis allé. Et ce qu'on voit là, le gars qu'on voit là sur le bench, c'est pas moi, c'est Léo Ollier, un compétiteur dans la catégorie bench press seulement. Et puis ensemble aujourd'hui, on va regarder sa technique de bench press. Et puis, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, une compétition de powerlifting. Donc, dans une compétition de powerlifting, il y a deux catégories. Il y a la catégorie dynamophilie, ce qui veut dire powerlifting, où les compétiteurs vont faire un bench press, un squat et puis un deadlift. Et le gagnant, c'est celui qui a le plus grand total des trois. Il y a aussi la catégorie bench press seulement, dans laquelle Léo, qui est là sur le banc, compétitionne. Pour avoir parlé à Léo deux fois, en fait, je l'ai vu à deux compétitions. Je sais qu'il a été blessé un genou, fait qu'il peut plus faire de squat, deadlift. Alors, il fait du bench press seulement. Et ça, si ma mémoire est bonne, c'est le troisième essai de Léo au bench. Léo pèse, je vais aller vous chercher ça. ,45 46 livres. Okay, ça, c'est son poids corporel à lui. Et là, sur le bench, il y a en tout 363 livres. Ça, c'est à peu près 3 plates et demi. 3 plates, on est à 315. Fait que vous faites vos calculs. On est à peu près à 3 plates et demi pour un poids de 185 livres. Donc, quand même pas pire en forme. Et il faut spécifier aussi que Léo, dans ce cas-ci, il va faire son bench press non équipé. Donc, il y a aussi deux autres catégories dans une compétition de powerlifting. Tu as la catégorie équipée, où les compétiteurs vont utiliser de l'équipement qui va les aider à pousser plus lourd. Et aussi, t'as la catégorie classique, où les compétiteurs sont sans équipement pratiquement. Tout ce qui est permis dans la catégorie classique, puis on peut vraiment le voir un peu mieux quand ça va commencer, que ce cher ami-là va se déplacer. Tout ce qui est permis, c'est des bandages autour des poignets. On le voit un peu ici. Et une ceinture, on la voit un peu ici. Et là, on s'entend qu'au bench press, ben, la ceinture, c'est pas ça qui met ben, ben de poids de plus sur la barre. Et puis, les bandages au poignet, c'est pas non plus ce qui va pousser la barre à notre place. En guise de comparaison, là, dans la catégorie équipée, il va y avoir des bench shirts, c'est-à-dire un genre de chandail élastique, très élastique, qui aide à mettre beaucoup plus de poids sur la barre. Pour vous donner une idée, le record mondial au bench press, sans équipement, j'espère pas trop parler à travers mon chapeau, là, mais ça tourne autour de 700 livres. Et puis avec l'équipement, c'est au-dessus de 1000. Donc, on voit une grosse différence là, avec l'équipement au bench press. Et Léo ici compétitionne sans équipement. Donc, on va regarder de quoi ça a l'air. OK. Donc, on l'a regardé une première fois au complet. On l'a regardé à nouveau étape par étape. Donc, ce qui arrive, c'est bien sûr qu'il y a premièrement trois spotters. Okay, il y en a un derrière qui aide à sortir la barre et un de chaque côté. Ensuite, l'athlète doit sortir la barre et la maintenir à bout de bras jusqu'à ce que l'arbitre, qui est ici, dise « Start ». Il va dire « Start » et là, l'athlète doit descendre la barre de façon contrôlée jusqu'à ce que la barre touche à la poitrine. Et l'athlète doit montrer à l'arbitre que la barre est bien maîtrisée sur la poitrine et l'immobiliser dans le fond, immobiliser la barre sur la poitrine. Tant que c'est pas fait, l'arbitre ne dira pas press. Et press, c'est le signal de remonter la barre et la barre doit être remontée pas d'une traite, mais en fait doit être remontée sans qu'elle redescende. À partir du moment où, par exemple, l'athlète va interrompre son mouvement et laisser la barre redescendre, c'est terminé. Les spotters vont prendre la barre et le lever est manqué. Donc, on va le regarder encore à nouveau. Alors, la barre est sortie. On maîtrise la barre en haut. On a vu l'arbitre dire start avec le mouvement de sa main. Là, Léo fait la phase excentrique du mouvement. Et là, on a vu que c'était très long en fait. Vous imaginez quand tu es en dessous de 363 livres, que tu es en bas du mouvement bench press, que tu touches à peine à la poitrine, et puis là, que la barre n'est pas stabilisée, que tu attends que l'arbitre dise start, c'est très long. Et j'ai parlé avec Léo, puis il était assez déçu de cette étape-là. Il y avait de la difficulté, dans le fond,
à bien contrôler la barre, là, puis trouvait que la pause avait été très longue sur la poitrine. On va la regarder encore. Donc là, ça touche, ça décolle. Il la redescend. Et là, il y a le signal pour remonter. Donc juste ça, cette pause-là, premièrement, ça va lui avoir fait perdre beaucoup d'énergie élastique dans les pectoraux, les triceps et les épaules. Et là, cette énergie-là qui se dissipe, c'est l'énergie qu'il pourra pas mettre dans la barre pour la remonter. Et ça va lui nuire pour la fin de son mouvement. Et là, on voit que le mouvement a été interrompu et redescendu légèrement. Donc, c'était la fin de la répétition. On va le regarder encore une fois au complet. Donc, ça fait le tour pour la technique ou enfin les règlements, le bench press en compétition de dynamophilie. Je ne vous l'ai pas montré, mais juste avant, Léo a réussi un lever juste un peu plus léger, c'est-à-dire 330 livres. Donc, même s'il a manqué le 363 qu'on vient de voir, ce jour-là, Léo a réussi 330, toujours à 180 livres de poids corporel. 330, c'est au-dessus de 3 plates, c'est quand même formidable. Donc, félicitations Léo. Désolé enfin que t'as pas réussi ceux-là. J'étais là avec toi, puis je sentais que c'était difficile. Ça a été difficile pour pas mal de monde ce jour-là, moi inclus. Je te souhaite bonne chance pour la prochaine fois. Les gars, merci de nous écouter aujourd'hui. J'espère vous avoir donné une petite idée de comment ça se passe dans une compétition powerlifting pour le bench press. Cette semaine, on a un DVD en spécial avec 10 trucs techniques pour ajouter 30 livres à votre bench press. Le genre de truc qui est utilisé dans des compétitions de powerlifting et puis que moi j'ai appris de Dave Beattie, un powerlifter anglais, quand je me suis entraîné avec lui là-bas à Londres. Et dans un instant, les membres, je vais vous donner quelques-uns de ces trucs-là à travers la technique que Léo utilise ici. Léo utilise bien sûr ces trucs-là aussi pour bencher aussi lourd à 183 livres. Donc les membres, on se revoit dans un instant pour une deuxième vidéo. Les non-membres, on se parle demain. Merci de nous écouter. À bientôt.